Salut les amis, nous revoici partis sur Tinkercad. Alors là, vous voyez sûrement ce qui se passe chez moi. Hein. C'est pas très grave. Par contre, ce qui m'intéressait, c'est de vous montrer, toujours pareil, la télé ou la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Hein. J'arrive même pas à me rappeler du truc. Ce qui est génial, c'est que regardez, par exemple, j'ai créé un autre petit train sur Tinkercad et voilà ce que ça va donner. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, on va pouvoir l'agrandir, on va pouvoir le positionner. Je vais mettre ailleurs. Je vais mettre par exemple sur ma table. Regardez. C'est vraiment génialissime. Là, vraiment, les possibilités vont être superbes par rapport à ça. C'est-à-dire que là, on va pouvoir créer des objets à taille réelle, parce que moi, c'est ce que je fais très souvent, et on va pouvoir les positionner pour voir si ceux-ci vont rentrer précisément dans une pièce. Ça pourrait être... Là, vraiment, les Tinkercad, ce qu'il a fait est excellent, parce qu'on va pouvoir... Enfin, là, les possibilités sont juste énormissimes. J'en trouve pas plus mes mots par rapport à ça. Voilà, c'était une vidéo assez courte, mais regardez le genre de trucs qu'on peut faire. Je pense même, puisque j'ai fait différentes formations sur Tinkercad, là, je vous montre une petite vignette, je pense même que je vais m'amuser à l'intégrer dans mes formations, puisque là, on peut aller super loin par rapport à ça, et ça fait un rendu très, très intéressant. Allez, je vous dis à plus et à la prochaine vidéo. Bye, bye.